ça marche pas mal PS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un All My LPS, donc c'est le 17ème épisode de cette série vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tous mes Basseund. Donc j'en ai 11 et je vais essayer de vous les montrer par ordre d'acquisition, c'est-à-dire dans quel ordre je les ai eus. Mais ça va pas être facile parce que y en a déjà sa date et il y en a d'autres que j'ai eu quasiment au même moment, donc ça va être pas facile à s'y retrouver, mais je vais faire mon maximum. Donc sur ce, bah, je vous souhaite un bon visionnage. Donc on commence avec mon tout premier bassé, c'est celui-ci. J'ai vraiment une attache sentimentale à ce bassé. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup trop ce LPS. Je croyais l'avoir récupéré avec un ressort neuf, mais je dois confondre avec un autre pet shop. Je crois que c'est un collet, je confonds comme d'habitude. En tout cas, il est magnifique et c'est un de mes pet shops préférés de tous les temps. Juste pour la nostalgie de me dire, c'était un de mes premiers pet shops. Donc voilà. Donc normalement c'était mon deuxième basset celui-là, il est trop cute aussi avec les couleurs marron, je trouve ça magnifique, et le bleu dans les yeux c'est pareil, c'est trop beau. Et on croirait des pissenlits, la forme dans les yeux, donc j'adore. Celui-là pareil, je pense que pour beaucoup de monde c'était notre premier basset, un d'entre eux en tout cas, vraiment adorable. Il y a des petits nœuds. Je sais qu'il existe normalement ce basset, mais avec des ronds dans les yeux, comme beaucoup de variants d'ailleurs, ou je sais plus si ça s'appelle des variants ou des rééditions, enfin bref, peu importe. Mais il y a beaucoup de LPS qui avaient été refaits, mais avec des ronds dans les yeux à la place des formes. Donc bah, je sais qu'il existe et j'espère le trouver un jour, même si ça risque d'être compliqué. Lui, de mémoire, c'était mon quatrième. Avec le petit velours sur les oreilles, il était vendu dans un multipack à Toys R Us, je m'en rappelle. Ils étaient scotchés les packs. Je ne saurais pas vous dire avec quoi c'était vendu. J'essaierai de retrouver une photo, l'autre jour j'avais retrouvé. Mais bon, je sais plus comment je l'avais retrouvé, alors c'est galère. Mais si jamais je le retrouve, je mettrai une photo, on sait jamais. Mais adorable, et j'adore les LPS en velours. Enfin, c'est pas vraiment du velours, en moumoute, je sais pas trop. Enfin, qu'ils ont des petits poils comme ça, tout doux, c'est... Bah c'est trop cool. Celui-là, ça risque d'être mon cinquième, normalement. Je ne me souviens plus, mais techniquement, c'est la chose la plus logique qui soit, parce que celui d'après, il est censé venir après celui-là. Donc, entre les deux, normalement, ça peut être que lui. À moins que je me sois gourée juste avant, mais de toute façon, honnêtement, on s'en fiche un petit peu, mais j'essaie quand même de les répertorier dans ces vidéos-là par ordre d'acquisition, je trouve ça mieux. Mais en plus, vu la date de ce pet shop, c'est plutôt logique qu'il soit à ce niveau là. Lui, de mémoire, il était vendu dans l'aire de jeu pet shop, il y avait un petit toboggan, de mémoire il y avait un petit hamac au milieu de cette maison là, il y avait un ascenseur sur la gauche, je raconte peut-être des bêtises, et il me semble que devant cette maison slash bâtiment il y avait comme une petite cour et il y avait petit tunnel, je sais pas trop comment expliquer, j'essaierai de retrouver une photo de ça aussi. Et ils avaient fait une réédition de cette maison et ils avaient mis Russell dedans. Donc Russell, c'était un personnage dans le dessin animé Little Pet Shop tout simplement, et c'était un petit hérisson orange. Et ils l'avaient fait assez bizarre parce que c'était complètement mécanique ce pet shop, c'est à dire que les pattes étaient complètement je sais pas trop comment expliquer, mécanique, ouais. C'était trop étrange, il avait un gros corps et c'était du plastique, mais dur, c'était même pas du plastique comme les LPS là en fait, c'était trop étrange, et même les yeux, tout, il faisait très peur en plus, donc il devait y avoir aussi une roue dans ce bâtiment, donc voilà, petit ajout à la maison. Celui-ci, c'est pareil, je crois l'avoir eu avant, mais bon, peu importe. Il est trop mignon, il a les yeux mat, donc il doit être assez vieux, par contre il est en super bon état, il a juste une petite... truc là de peinture qui a sauté, un petit impact, mais en vrai il est en super bon état, je suis trop contente d'avoir des LPS aussi vieux mais en bon état, c'est trop bien. Lui, c'est un exclu européen, donc ça veut dire que les américains etc, bah, ils les ont pas eu, c'est passé. Moi je suis trop heureuse de l'avoir et c'est pareil, j'ai pas trop galéré à l'avoir, bon, en même temps on est en Europe donc c'est sûr, c'est logique, mais j'ai pas les mots, ce pet shop est adorable. Il est avec des couleurs très simples et moi j'adore les LPS simples. Je sais pas, il est adorable, la couleur dans les yeux, tout. Vraiment, pour des photos Insta, je le répète souvent, mais pour des photos Insta, ce pet shop, adorable. Il me reste plus que 3 à vous présenter, donc on continue avec celui-ci. Je suis plus centrée, voilà. Il a du marron, du rose et du blanc. C'est des couleurs assez spéciales, j'avoue. J'aime beaucoup et il y a le bleu dans les yeux, ça ressort bien. J'adore ce pet shop, j'ai pas les mots. Il est trop mignon aussi lui. Le postcard, je suis persuadée de l'avoir eu avant, je sais pas pourquoi. J'ai un souvenir de l'avoir eu avant tous les autres, mais bon.
peu importe, je le répète, trop trop adorable. Je me rappelle, je l'avais eu soit dans un lot sur Boncoin ou soit en brocante, mais en tout cas je l'avais pas eu en NIB, donc new in box, ça veut dire en gros en boîte. C'est pas moi qui l'ai acheté en gros dans un Leclerc ou peu importe, mais de mémoire ça devait être en brocante. Hein. En tout cas, en super bon état, les motifs sont magnifiques et j'adore les bassets. Ils ont un petit charme, c'est trop trop cute. Et on va terminer la vidéo avec mon dernier basset, c'est celui-ci. Donc ça va faire plus d'un an quasiment que j'ai pas eu de basset. Parce que je me rappelle, j'avais eu une brocante. Donc à l'époque des brocantes, ça commence à remonter. Parce qu'avec le Covid et tout ça, bon, même s'il y en a, il n'y a pas toujours des pet shops, etc. Donc c'est un peu galère. Mais de mémoire, ça doit être l'année dernière en août, la seule brocante que j'ai fait. Et il y avait eu ce basset là. Donc peut-être que je raconte des bêtises, c'était un tout petit chouïa avant, donc en 2019. Mais en tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de basset et je vous avoue que ça me manque un petit peu. Après, en même temps, je commence à avoir quasiment tous les bassets qui existent. Il en reste un qui m'intéresse vraiment, il est blanc, il a les yeux verts et il a une petite tache marron, celui-là il m'intéresse beaucoup. Et à chaque fois quand je le vois sur Boncoin, c'est des gens qui mettent leur lot en vente et puis finalement ils répondent jamais, donc ça m'énerve. Il faudrait que je cherche ailleurs, voire ailleurs, sur d'autres sites, je sais pas. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de l'avoir un jour parce qu'il est adorable et puis voilà. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, 17h, il y a la vidéo calendrier de l'Avent qui va sortir, donc normalement cette vidéo-là sort à 15h, donc dans 2h vous aurez votre vidéo calendrier de l'Avent. Et s'il est plus de 15h, au moment où vous regardez qu'il est, je sais pas, 18h, bah, la vidéo sera disponible, et j'essaierai de mettre la playlist de vidéos calendrier de l'Avent en écran de fin, comme ça vous pourrez voir tout ce qui est sorti jusque-là. Donc moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, bisous tout le monde.